Chers abonnés, salut. Allez, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Je vous souhaite un bon début de week-end. Bon, on est vendredi, hein, voilà. On s'est quitté il y a deux jours. Vous avez vu la première partie? Bon, c'est vrai que j'ai fini sur une légère déception. Alors, je mesure mes propos. Quand je dis déception légère, c'est léger parce que je vais finir par une VMAX, c'est nickel. Mais c'est vrai que c'est une VMAX que j'ai déjà. Donc, bon, ça, sur le moment, ça me fait un peu chier, mais c'est pas non plus dramatique. Une Ultra restera toujours une Ultra. Et puis, je l'échangerai ou je la vendrai. J'arriverai toujours à me débrouiller avec. Voilà. Et puis, vaut mieux une Ultra qu'un coup de pied au cul. Bon, eh ben allez, on a fait 9 boosters, je vous propose de refaire 9 boosters pour entamer ce week-end. Je vais faire comme mercredi, je vais pas me prendre la tête, je vais faire 4 d'un côté. Bon, je fais pas comme ça d'habitude, mais bon, ça change. Et puis, bon, allez, un autre petit Pikachu, parce que je l'aime bien ce petit Pikachu. Bon, je vous ai fait part de mes objectifs, c'est-à-dire que j'aimerais bien avoir... Ah ben merde, j'ai les mêmes boosters de chaque côté. Oh putain, ça c'est le bordel. Alors attendez, faut que je m'organise. Bon, c'est pas grave. Puis sinon, j'ai pas envie de réfléchir. En fin de semaine, comme ça, on n'a pas envie. Donc, on a 9 boosters. Voilà, je vais mettre les cartes là, parce que mercredi, je me suis rendu compte que j'avais tout fait descendre. Bon, il n'y a rien. Que dalle, comme d'habitude, j'étais très mal organisé. Allez, on est parti. Alors c'est vrai, hein, je vous répète. Je rêve de Pikachu Full Art, parce que je trouve la carte vraiment magnifique. Je pense que c'est une carte qui va coter. Puis dans la collection, ça comptait quand même. J'aimerais bien avoir le Pikachu Rainbow, mais j'en sais rien. Et puis, une dresseur, voilà. 3 belles cartes dans le display, je trouve que c'est pas trop. Hein. On commence, allez. Ramboum, je vais faire comme ça, parce que main droite, là, je suis pas à l'aise. Coconfort, Mascaillement, Nirondelle, Aspicot, Statitique, Thiboudet, une petite magnifique, non, oh Bazookan, elle est belle, elle est trop jolie cette carte, j'adore, alors déjà j'adore Bazookan, en chaîne il est très beau, alors, bilan de la partie 1, j'ai chopé 3 holographiques, une V max, bon j'avais fini par la V max, donc, allez, oh je crois qu'on a une petite Rainbow les amis, mais je sais pas ce que ça va être, et je sais pas, et comment peux-je savoir, oh Togekiss V max Rainbow, bon, oh bah dis donc, elle est... Oh bah non, elle est très bien, c'est marrant. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a un gros décalage. Et en fait, non, il n'y a pas de décalage. Bah je commence fort. Hein. Vite, protection. Bon, alors je sais déjà que j'aurai pas le Pikachu. Ou alors, il y aura 2 VMAX dans le... Il y aura 2 Rainbow dans le display, ce qui est déjà arrivé, mais ça arrive quand même rarement. Hein. Eh bah on commence très fort. Ah bah, pour commencer le week-end, c'est parfait. Alors, je sais pas si je garderai la carte. Et pourtant, j'adore Togekiss. Vraiment. Ça me rattache à Cynthia chaque fois. Et j'adore ce Pokémon. D'ailleurs, dans Pogo, je l'utilise pas mal pour faire des combats contre les boss Team Rocket. Ou... C'est vrai que je l'utilise pas mal. Et je l'aime beaucoup. Metang. Mais bon, c'est la... je trouve pas la carte sensationnelle, quoi. Sally. Mateloutre. Rocabo. Voltorb. Nangal. Et Oko, une petite rare magnifique, là, ça serait cool. On a une reverse. Oh, il y a une méga qui est très beau, hein. Très bien dessiné. Et derrière, Bourinos. Ah, mais pour bourriner, ça bourrine. Voilà. Allez, bon début d'ouverture. Hein. J'ai deux rares reverse. Le Bazookan, je l'adore, il est trop beau. D'abord, il est très bien dessiné. Alors, le papier, c'est pas le papier de la voix du maître. Hein. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si vous avez. Alors déjà si vous avez ouvert beaucoup de voltage éclatant ou pas d'ailleurs. Si vous avez chopé le Pikachu Full Art. Je serais curieux de savoir si cette carte revient souvent ou. Alistair. Girafarig. Moustillon, qui est trop beau. Rototop. Dedenne, j'adore. Je vous l'ai dit mercredi, j'adore cette carte. On a Grindur. Allez, on continue. Cabriolen. Oh, ben Dedenne en reverse, trop cool. Il est trop beau. Et Forfait du V. Ah ben, je la mets là. Hop. Hop. Voilà, donc... Bon, je veux pas...
Je vais pas vous promettre une vidéo dimanche, parce qu'à chaque fois que je vous dis que je fais une vidéo le week-end, j'en fais une vendredi, mais j'en fais pas après. Alors, je sais pas, ça va dépendre de mon emploi du temps. Je sais pas ce que je ferai, comment, donc on verra. L'Empérois. L'énergie pierre. Ah bah mince alors. Pomme de pique. Dynavolt. Skelenox qui est très beau aussi. Le dessin est magnifique, j'adore. Fampi. Terral. Une reverse encore. Anchoate. Et on finit avec l'amiral. Allez, Watapic. Il est sympa ce Watapic. Reptincelle, les employés. Bon, qui sont en train de glander, faut le dire. Hein. Faut le dire très sincèrement. Les employeurs, peut-être falloir se mettre au boulot quand même. Dynavolt, Skullenox, Fampi, Terral, Aspicot. On a Limonde de Galar. Ah, ça, c'est la reverse la plus glamour du set. Et on a Brouhaha. Alors, ça, c'est la rare la plus glamour du set. Alors là, j'ai le booster glamour. J'ai le booster Playboy. Oh putain. Bon, le papier est bien dégueulasse quand même. Oh, c'est chiant ça. Elle est Coconfort. Métang. Alistair. J'adore Alistair. Trop belle. Ouais, ça doit être une fille. J'ai pas fait le jeu, hein, donc chuchemur, j'ai pas encore commencé. Bon, peut-être que dans 2-3 ans. Axolotl. Cremie. Megavolt. Alors ça, je suis sûr de ne pas avoir. Et derrière, Astronel. Bon, bah après Limon et Brouhaha, je crois que je me tape la V que je souhaitais le moins avoir. Ouais, que je trouve pas. Bon, pas sans sas, mais. Vous voyez, moi, j'aime pas forcément toutes les ultras. Bon, c'est pareil, celle-là, je l'échangerai. Je sais pas ce que j'en ferai, mais je la garderai pas, ça, c'est sûr. Bon, et ben, une V, une Rainbow. Allez, il nous reste 3 boosters. Bon, je suis loin d'avoir les cartes que je voulais. Hein. Vous voyez comme quoi, entre espérer puis obtenir, il y a une grosse différence quand même. Limonde. Médaille du héros. Nirondelle. Chauve-sourire. Tranquille. Posé. Poulpaf. Que j'ai vu en shiny dans une ouverture japonaise qui est trop beau en shiny. Anchoate. Miamiasme. Une de mes cartes préférées aussi du set. On a Neuneuf. Et derrière, Yanmega. Qu'on a eu tout à l'heure en reverse. Allez, il nous reste 2 boosters. Je vais finir par Pikachu. Allez. On a Nigosier. Alistair. Girafarig. Zébibon. Rocaboo. Mediana, avec le sticker derrière, j'adore. Picasso, Nangal. Oh, canon en reverse. Alors, elle était déjà jolie, mais alors en reverse, mais. Regardez-moi cette beauté. Elle est canon, faut le dire. Et derrière, une petite ultra, oui. Drascor. Très bien. Bon, que je préfère très nettement quand même à Astronel. Hein. Je trouve la carte un peu plus équilibrée. On profite quand même du fond. La carte a une belle vie. Bon, celle d'Astronel, elle est quand même. Ouais, bon, je sais pas. Ouais. Astronel, ça me fait penser à Goldorak. Allez, dernier booster. Eh ben, hey. Vous savez, je suis en train de me dire que. On a une partie qui est un peu similaire à la partie 1. Allez, on a l'énergie lavage. Bifeuille. Donna. Rototop. Deden.
Grain-dur. Cabriolet. Zébibron. Fortress en reverse. Ça, j'ai pas non plus. Et derrière, oh, du Ralugon. En holo. Sympa. Eh ben voilà, on a fini avec une holographique. Bon, là, on a une belle seconde partie. Hein. Une holographique, 3 ultras. Ce qui fait qu'en fait, ça me fait combien d'ultras, ça? Ça me fait 5, non? 5 ultras et 4 holos au total. Donc là, je suis déjà à 9 bonnes cartes. Hein. Ouh là, ça flambe, mais j'espère que ça va encore donner. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, un bon début de week-end. On se retrouve peut-être dimanche. Salut!